devrait déjà être sorti. Où je mets le champagne, chérie? Pourquoi pas là-bas? Merci, maman. Voici les cupcakes. Fabuleux. Je vérifie. Une petite retouche. Ça y est, parfait, c'est top. Désolée. Non, tu as bien fait, ça aurait pu complètement nous gâcher la fête. Arrête. Chérie, détends-toi, tout va bien se passer. Non, je veux que tout soit parfait. On va annoncer qu'on fait les gâteaux de mariage. J'arrive pas à croire que vous l'ayez convaincu. Je me demande comment il a fait, moi aussi. Les mariages rapportent beaucoup, on répond à la demande. C'est son travail. C'est le 65e anniversaire de la pâtisserie Les Gourmandises de Myriam et je suis avec la chef et propriétaire Jessie Dale. Je crois que vous avez hérité de la fèvre exceptionnelle. C'était ma meilleure amie. Vous nous faites visiter? Oui. Suivez-moi. Vous devriez aussi goûter le Alors là, c'est ma grand-mère et moi quand elle m'apprend à faire des gâteaux. Je porte son tablier. Et là, c'est une photo de l'inauguration en 1955, le jour où grand-mère a ouvert les gourmandises de Myriam. Elle avait plus ou moins mon âge. Et oh, j'ai aussi le premier cul de poule et les premiers ustensiles dont elle se soit servie, qu'elle avait elle-même hérité de sa mère, Florie. C'est une tradition familiale, on dirait. Oui. Vous allez apporter des changements maintenant que vous êtes propriétaire? Non, non. L'identité de la pâtisserie est liée à son histoire et nous n'y avons pas apporté le moindre... De nouveaux moyens de se développer. Ouais. Est-ce que tu leur as parlé des gâteaux de mariage? Merci, Howard. Oui, en effet. Suite à de nombreuses demandes, nous faisons des gâteaux de mariage sur mesure. Disponible en précommande dès aujourd'hui. On fait une dégustation? Oui, on fait une dégustation. C'est vraiment délicieux. C'est le mien. C'est vraiment super bon. Merci. Venez chez les gourmandises de Myriam, la meilleure pâtisserie de Rhode Island. Sam, il faut que tu goûtes, c'est trop bon. Une seule tranche de gâteau dans toute la pâtisserie. Ça veut dire que c'était une super fête. On a déjà reçu une tonne de demandes pour des mariages. Et le reportage sera diffusé que demain matin. Vous devriez rentrer chez vous. Je rangerai moi-même. T'es sûre? Moi, je vais pas me faire prier. Bonne soirée. Je suis sûre. Merci, Howard. On se voit demain. Ok. Maman, tu dois être épuisée. Rentre à la maison. Ta grand-mère serait vraiment fière de toi. Je t'assure. Merci, maman. J'aurais aimé qu'elle soit là. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis? C'est joli. Tu détestes? Non, au contraire. Je sais ce que joli veut dire. Ça veut dire que tu détestes. C'est faux, je t'assure. Mais moi, j'aurais... Fais comme ça. Il n'y a aucune différence. Je deviens folle ou quoi? Je vis dans les Sims. Qu'est-ce que t'as changé là-dessus? Bonjour, mes chers. Bonjour, Howard. T'es de bonne humeur? Tu vas bientôt l'être aussi. Je viens de décrocher la plus grosse opportunité que la pâtisserie ait jamais eue. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Belsons veut vendre. Non, jamais de la vie. Non, mais tu es dingue. Quoi? Jessie, c'est énorme. Oui, c'est une énorme société, c'est impersonnel. Ma grand-mère ne se serait jamais associée à eux. Nos gâteaux sont faits maison, on n'est pas une chaîne de montage. Ce serait toujours du fait maison, on poserait nos conditions dès le départ. Non. Désolée, Howard. Ça nous aiderait, Jessie. On trouvera un autre moyen. Pourquoi tu m'as engagée? Pour que tu t'occupes de la compta et pour que tu trouves des moyens de garder la boutique... à flot, c'est ça? À flot. Le coût de la vie aussi augmente. Nos fournisseurs n'arrêtent pas d'augmenter leurs prix. Si t'arrives pas à suivre le rythme, tu peux dire adieu à la pâtisserie dès maintenant. Je sais. Oui, t'as raison. Mais Belsons, ce serait trop de changements d'un coup. Et je veux pas que la pâtisserie perde toute son identité.
J'ai accepté de faire des gâteaux de mariage, alors on peut voir comment ça se passe. D'accord. Mais ils retireront leur offre à un moment. Je sais. Le reportage! Je suis avec la chef et propriétaire, Jessie. Je crois que vous avez hérité de la pâtisserie de votre grand-mère, Myriam. Oui, il y a à peu près 5 ans, en effet. Elle m'a appris de visiter. Oui. Je n'en ai rien à faire que les modèles aient déjà été fabriqués. Je n'en veux pas dans ma nouvelle collection. Eh bien, on les écoulera à une vente privée. Oui, merci ma chérie. Je viens au bureau tout à l'heure. Venez chez les gourmandises de Myriam, la meilleure pâtisserie de Rhode Island. Ok, c'est parfait. Je vous remercie. Oui, à tout à l'heure. Vous ne devinerez jamais qui vient d'appeler. On t'écoute. Suzanne Cooper. La fashion designer? T'es sérieuse? C'est la femme la plus célèbre de l'État. Elle veut qu'on fasse son gâteau de mariage. T'es sérieuse? Oh mon Dieu, j'adore ses vêtements. J'y crois pas. C'est dingue. Oui. En plus, ça pourrait nous donner accès à une clientèle d'élite. Peut-être qu'elle nous fera des réductions. Ouais, mais j'ai un peu peur qu'elle soit snob ou trop exigeante. Oh, ça c'est... Quand est-ce qu'elle va passer? Dans quelques minutes. Quelques minutes? Allez. Rappelle-moi pourquoi je viens. Evan ne peut pas se libérer et j'ai besoin de l'opinion d'un homme. De l'opinion d'un homme? Pour un gâteau? Exactement. Eh bien, est-ce que mon opinion d'homme va influencer ton choix d'une manière ou d'une autre? Pour être honnête, non. D'accord. Il vaut mieux que ce soit clair. Moi, j'adore les gâteaux. Gâteaux, gâteaux, gâteaux. Moi aussi, j'adore les gâteaux, Riley. Et je suis... Elle est là? Oh, ça va, tout est ok. Dites-moi que c'est ok. De quoi j'ai l'air? Faut vous détendre, c'est un être humain, d'accord? Elle est bien plus que ça. C'est une déesse. Une icône qui a le pouvoir de nous mettre sous le feu des projecteurs. Il faut pas se planter. Si on se plante, on est fini. Quelle pression. Merci. De rien. Bienvenue chez les gourmandises de Myriam. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Suzanne Cooper, je vous voyage. Non, je suis Aiden, son frère. Ah. Eh bien, bienvenue. Evan est au bloc aujourd'hui. Et pratiquement tous les jours. Et qui est cette petite demoiselle? Non, c'est notre goûteuse de gâteau officielle. C'est une experte. Ah, oh, c'est vrai? Riley, ma fille. Ravie de te rencontrer, Riley. Tu veux qu'on te montre la cuisine? Oui, d'accord. Ok. Béatrice, tu veux bien? Tu es sûre que tu n'as pas besoin de moi ici? Oui, merci, j'en suis sûre. Tu vas avec elle? Allez. Surtout, ne casse rien. Tu viens? La cuisine est par là, regarde. Alors, on va manger des gâteaux? Et... Bonjour. C'est délicieux, je vais devoir me remarier pour vous engager. Ah, oh, personnellement, je pense que toute occasion est bonne pour manger des gâteaux. Eh bien, je les trouve tous délicieux. Vous êtes engagés. C'est vous qui allez faire mon gâteau. Excellent. Je vais vous faire signer le devis. Merci, je suis impatiente de travailler avec vous. Oui, moi aussi. Papa, regarde, wow. J'ai un rouleau, je peux l'apporter à la maison. Non, c'est pas à nous. S'il te plaît. Désolée, chérie. Tu veux goûter le gâteau? Au chocolat. Ouvre la bouche. C'est bon, tu peux prendre celui-là, tante Suzanne. Je préfère les fruits rouges. Désolée, Riley. Mais au chocolat, c'est mon préféré. Oui, chérie, je sais. Tu auras un gâteau au chocolat à ton mariage. Désolée, c'est la mariée qui choisit. D'accord. Eh ben, tu sais quoi, Riley? Tu peux garder le rouleau à pâtisserie. On en a plein. Oh. Je peux le garder? Voilà. Merci.
Merci. Ne vous sentez pas obligé. Ça me fait plaisir. Je te l'offre, Riley. Je vois une grande pâtissière en toi. S'il te plaît, dis oui. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. On devrait y aller, non? Jessie, vous devriez venir chez moi cette semaine pour voir ce que j'ai prévu pour le mariage. Je vous montrerai le style que j'ai choisi. Ça vous donnera de l'inspiration. Oui, avec plaisir. Demain, midi? Ah, je vous enverrai l'adresse. Oui, très bien, j'ai hâte et je suis impatiente de travailler avec vous. Moi aussi. Merci, Jessie. Je t'en prie, Riley. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Allez, je te pose, petit Munchkin. On s'en va. On va goûter d'autres gâteaux? Oh, tu as encore envie de manger des gâteaux, Riley? Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Allez, viens, on va aller tester ce rouleau. Bon, on va faire notre premier... Quoi? Mais qui ça va bien pouvoir intéresser? Son frère, peut-être. Aiden? Il est marié. C'est pas ce que Riley a dit. Non? Elle a dit quoi? Pas grand-chose, mais Aiden est père. Célibataire. Sa sœur est une cliente. Et puis, je cherche pas à rencontrer quelqu'un, d'ailleurs. Ok. Je peux sortir avec lui? Oui. D'accord, s'il te plaît. Si tu veux... J't'ai eu. Tu veux sortir avec lui? Bon, allez, je vais aller dîner. Tu viens manger? Non, merci, j'ai pas encore fini ici. Je vais laver le mixeur à fond. Travaille trop, Jessie, mais... Je trouve ça admirable. En ce qui me concerne, j'ai bien l'intention de profiter à fond de ma soirée. Bonne soirée. Tu as tout mon soutien. Bonjour. Entrez. Je sais, c'est magnifique. Suivez-moi. Oui. Alors. Waouh, vous aviez raison, ça me donne de l'inspiration. Je sais. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Ça donne plein d'idées pour le gâteau. Ça alors, vous... Waouh, Suzanne, vous êtes magnifique. Merci, Jessie. Vous me flattez. Non, merci. Merci. Je n'attends personne. Je voulais simplement que vous ayez un bon aperçu du style du mariage. Oh, d'accord, ça me donne un très bon aperçu. La salle sera décorée avec des pavots bleus. Ils vont être importés d'Oregon. Ils sont magnifiques. Ah, non, merci. Non, je veux dire... Oui. Ok, waouh. C'est super bon. Oui. Un autre? Merci. Je vous montre ce que j'ai fait. S'il vous plaît. Merci. À demain. Alors, chez tante Suzanne. Oh. Tu adores aller chez elle. Mais pourquoi tu restes pas avec moi? Je suis désolée, ma chérie, mais je dois retourner au boulot. Seulement pour quelques heures, d'accord? D'accord. On court? On court? Allez, vas-y, saute, ma puce, saute. Waouh! J'aime beaucoup celui-ci. Vous avez fait du beau travail. Merci. Je vais retravailler ce premier modèle en prenant en compte vos remarques et le style du mariage. Je peux prendre des photos si ça vous dérange pas? Je vous en prie. Bonjour, tante Suzanne. Salut. Salut. Bonjour, Jessie. Aiden, ravie de vous revoir. Ouais, moi aussi. Merci encore de la garder. Je passe la prendre après ma réunion. Non, merci. Prends ton temps. J'ai plus de nounou. Ah. Heureusement que tu as une sœur aussi généreuse et attentionnée. Tu l'as dit. Au fait, merci encore pour le rouleau à pâtisserie.
Elle arrête pas d'en parler. Elle me demande de faire des gâteaux tout le temps. Ah, oh, c'est trop mignon. Ouais, dommage que je sois pas douée en cuisine. Je pourrais peut-être lui apprendre, moi. Oh, non, 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 vous en avez déjà assez fait. Non, je... ça pose aucun problème. C'est ma grand-mère qui m'a appris quand j'avais... D'accord. Tant que ça ne vous dérange pas. Vous pourriez passer après votre réunion. Il y aura plus personne à cette heure-là, on aura la pâtisserie pour nous. Sauf si vous avez d'autres projets. Je suis tout à vous. Je veux dire... je voulais dire... Vous avez compris. Oui. Bon, je dois y aller, moi. Pour être sûr que la pâtisserie tombe pas en miettes sans moi. Je vous dis à ce soir, et je vous envoie le nouveau modèle une fois que j'aurai fini. Oui. Oui. Désolée. Tu vas louper ta réunion. Lâche-moi. Allez, mon cœur, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jessie ! Alors, raconte, c'est comment chez Suzanne ? Sa maison est super classe. Elle est super grande et elle est super classe, c'est vrai. Non, aucune publication a été intéressée par mon communiqué. Étonnant, je suis trop surprise. Mais je l'ai quand même annoncé sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux ? Combien de gens nous suivent ? 10. Oh, waouh, c'est encourageant. Ça va venir. Oh, Béatrice, je compte rester un peu plus tard ce soir pour donner un cours de pâtisserie à Riley. Alors, tu peux partir. Donner des cours, c'est une idée géniale. À quel prix tu les fais ? Je me fais pas payer. Quoi ? Jessie, le temps, c'est de l'argent. Écoute, les affaires pourraient marcher du tonnerre si tu le voulais. Les affaires marchent. Les affaires marchent pour l'instant, ouais. Mais il suffit d'une catastrophe pour se retrouver dans la mouise. Et si tu acceptais le deal avec Belsons, tu aurais l'esprit tranquille et un filet de sécurité pour les périodes de creux. Je t'ai déjà dit ce que je pensais de ce deal. Laisse-moi te dire. Je veux que la pâtisserie marche le plus longtemps possible. Je veux que tu puisses la léguer à ta petite fille comme ta grand-mère. Je sais. Je te remercie, Howard. J'apprécie. Ah, j'aime pas quand vous vous disputez. Jessie ? Entrez ! Bonsoir. Salut, Jessie. Tu es prête ? Oui. Tu as ton rouleau ? Oh, génial ! Ouais. Tu vas faire des étincelles. Suivez-moi. On y va ? Je crois que l'apprentie pâtissière va s'endormir. Ouais, et j'ai un peu la même impression. Je vais mettre les cookies au four. Elle tiendra encore 20 minutes, vous croyez ? Oui, je pense que ça va aller. Ok. Ça va ? Tu as sommeil ? Oui. On rentre bientôt. On l'a vraiment épuisée. Oui, mais elle s'est bien amusée. Moi aussi. Merci. Moi aussi, je me suis amusée. Et toute la journée, tous les jours. Vous faites pas de soucis. Vous adorez ça. C'est vrai. J'ai vraiment de la chance d'avoir la pâtisserie. C'est clair. Beaucoup de chance. On peut pas toujours choisir ce qu'on fait. J'aime pas mon boulot. Vous n'aimez pas ce que vous faites ? L'immobilier ? Non. Mais vous choisiriez quoi, si possible ? C'est idiot. Ça m'étonnerait. Allez, dites-moi. Avant, je fabriquais des meubles. Je rêvais d'ouvrir mon magasin et de vendre mes objets. Vous êtes menuisier, c'est fantastique. Ouvrez une boutique. Le souci, c'est que c'est aléatoire comme métier. C'est un peu risqué de me lancer en étant père célibataire. Mais où est la maman de... Elle nous a quittés il y a quelques années. Je suis vraiment désolée. Merci. Mais vous devriez vous lancer. Dans la menuiserie ? Oui, jetez-vous à l'eau. Ouais, non, peut-être dans une autre vie, à la retraite. Je vous dis pas de tout lâcher, vous pouvez fabriquer des meubles pendant votre temps libre. J'ai ma fille, j'ai pas de temps libre. Ça se tient. Ouais.
Vous me montrerez vos œuvres un jour? Ouais, avec plaisir. Les cookies. Bon, je vais la mettre dans la voiture, elle dort. Moi, je vais sortir les cookies. Ok. Elle va dormir jusqu'à la maison. N'oubliez pas de prendre sa part de cookies. Elle l'a mérité. Elle s'est bien amusée. Merci. On fera des gâteaux la prochaine fois. La prochaine fois? Oui, on peut, si ça vous tente. Oui, 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 avec plaisir. Oh. Je vous en prie. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quoi? Donc, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, je te l'ai déjà dit. Sa sœur et ma cliente, ce serait charmant avec un chouette boulot et une fille trop mignonne, et tu tentes pas ta chance parce que tu fais un gâteau à sa sœur? Eh bien, dit comme ça, c'est sûr que t'es pas non plus son avocate. Arrête ton délire. Les filles, j'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une lettre du propriétaire du bâtiment. Il le met en vente dans 15 jours. On risque d'être mis dehors dès qu'il aura un acheteur. Quoi? N'importe quoi. Peut-être que le nouveau proprio voudra qu'on reste? Les promoteurs se bousculent déjà au portillon pour acheter. Ils veulent tout détruire et construire une copropriété. C'est un emplacement de premier choix. Il est hors de question. Elle serait carrément classée monument historique. Si on n'a plus le bâtiment, on n'a plus de pâtisserie. Combien il en veut? Je peux peut-être l'acheter. Plus que ce que tu gagnerais en 10 ans. On est fichu. On n'est pas fichu. On trouvera une solution. T'avais raison. C'est ma catastrophe. Tous les trois, on va s'en sortir. Gardons la tête froide. T'as pas rendez-vous avec Suzanne Cooper? Pourquoi faire? Écoute. Tu dois y aller. Je sais. Alors, le bois est importé d'une petite île au large de l'Australie. Il y a une légende qui raconte que ce bois a des pouvoirs magiques et se transforme en elfe quand on lui frotte le ventre. Où? Ici, la terre. Ah oui, c'est une magnifique journée. Désolée, j'ai la tête ailleurs. Y a aucun souci, c'est juste... La boutique risque de... Je vous écoute, racontez-moi ce qui se passe. Le monde des affaires, ça me connaît un peu, vous savez. Ok, eh bien, il se trouve... que l'entreprise qui est propriétaire des lieux cherche à vendre. C'est le seul lieu que la pâtisserie ait connu, ce serait... L'idée de déménager, je peux pas. Ça me brise le cœur, rien que d'y penser. Oui, eh bien, c'est pour ça qu'il vaut mieux être propriétaire. Oui. Maintenant, je le saurai. Merci. D'accord. Quelles sont vos options? Eh bien, on n'a pas les moyens d'acheter, alors... Fermer? Vous ne voulez plus diriger la pâtisserie? Si, bien sûr que si. Pourquoi la fermer dans ce cas? Parce que ce serait plus comme avant. C'est la seule raison? Oh, chérie. Dans la vie, rien ne se déroule jamais comme prévu. Mais ça ne doit pas vous paralyser. Moi, je dirais que vous avez deux options. Vous déménagez et vous vous en accommodez. Ou vous vous battez de toutes vos forces. Allez, au travail.
Quel contrat? Belsons? On signe avec eux. Sérieux? On va se battre de toutes nos forces. Yes, c'est ça que je veux entendre. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit. On va gagner cette bataille coûte que coûte. Howard, c'est le moment de mettre à profit toutes les méthodes que tu connais pour gagner de l'argent. On va acheter le bâtiment. Ça va te défoncer. C'est tout ce que je voulais. La pâtisserie est née dans ce bâtiment. Et je compte bien qu'il y reste. Désolée, Béa, j'ai pas eu le temps d'engager un pâtissier. Belson se les veut demain matin pour le test produit. Béa, j'arrive pas à relire ton écriture. Il faut 2 ou 3 œufs. Et avec toutes ces heures sup, on aura une augmentation. Je dois économiser le moindre centime pour l'instant, mais dès que j'aurai acheté le bâtiment, promis, augmentation pour tout le monde. C'est 2 ou 3 œufs, Béatrice. 2 ou 3 œufs. Oh. Howard, ça va, mon grand? Tu devrais faire une pause. Je veux juste savoir de combien de... j'ai besoin. Ok. Ok, fais une petite pause. Va te poser. Une pause? Oui. Une pause. Aiden, quelle surprise! Qu'est-ce que vous faites ici? On passait devant et on a vu de la lumière à l'intérieur. Vous travaillez encore? Ah, une grosse commande. On met la main à la pâte. Génial. Voilà, Riley a un petit cadeau pour vous. Une chance qu'il était dans la voiture. Tiens. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous remercier pour le cours. Elles sont magnifiques, merci. On les a faites. Vous les avez faites? Waouh, je suis impressionnée. Tu as beaucoup de talent. On peut te montrer comment on fait un jour si tu veux. Oui, volontiers, c'est très gentil. C'est quand vous voulez. Ça serait une fois que les gâteaux seront envoyés. Génial. Je vous note mon adresse. Oh, tu as sommeil, toi. Voilà, ça y est. Merci. Et merci pour les ustensiles. De rien. Bonne soirée. Bye. Bye. Allez, le Munchkin, on rentre. Quoi? Non, rien. Rien du tout. C'est ça. On se remet au boulot. Plus que quelques gâteaux et c'est fini. Howard, je te mets à la planche. Oh, génial. Comme ça. Voilà. Continue. C'est bien, oui, continue. D'avant en arrière, parfait. Un peu plus ici. C'est très bien, chérie. Ouais. Attends, là, repasse là, tu vois. Là, juste ici. Bonjour. Jessie, vous êtes là? Oui. Salut, Jessie. Salut, Riley. C'est vous qui les avez faits? Ils sont superbes. C'est... Vous êtes un artiste. Non, pas du tout. Je suis sérieuse, vous êtes douée. Je peux t'apprendre à te servir du marteau si tu veux. Doucement, jeune fille. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les outils de papa, non? Que je dois pas les toucher. Tout à fait. Alors, je vais te... Excusez-moi. Je vais te poser là, d'accord? Alors, vous êtes prête à faire du bruit? Ah, on commence par la scie électrique. Vous me faites pas une présentation ou un laus sur les règles de sécurité? Une chose à savoir sur la sécurité... C'est la priorité. Je disais une chose à savoir, ne vous coupez pas les doigts. Parfait. Porte. Et maintenant, le casque. Voilà ma puce. On a le même casque. Oui, on est jumelles. Allez, c'est parti. Prête? Oui.
Qui veut un sandwich? Moi. Va te laver les mains d'abord. Vous avez une bouteille de Seaside Pearl? Vous êtes amateur de vin? Non, pas vraiment. C'est un client qui m'en a fait cadeau. Il a dit que c'était un bon millésime, alors... Rancard. Non, sérieux? Vous connaissez? Ça se trouve qu'à quelques kilomètres. J'ai toujours voulu y aller, mais je suis si occupée avec la pâtisserie que j'en ai pas eu l'occasion. C'est vrai que vous bossez tout le temps. Vous devez avoir un succès fou. On va dire ça. Il y a un souci? Je suis un peu stressée en ce moment. Je veux pas vous embêter avec mes problèmes. Bah si, embêtez-moi, allez-y. Notre propriétaire vend le local. Sûrement à un promoteur qui va nous jeter dehors. L'horreur. Oui. C'est loin d'être gagné, mais on va tout faire pour essayer de l'acheter. Ce serait vraiment l'idéal. Vous avez une chance? J'en sais rien, mais on va essayer. D'où toutes les heures sup. Bon, si je peux vous donner un coup de main, dites-moi. Vraiment. Merci. Je ferai des gâteaux. C'est très gentil, merci beaucoup. De rien. Pendant que j'y suis, qui gère la vente? C'est peut-être une boîte que je connais. C'est l'agence Island View, je crois. Non, sérieux? C'est le frère de mon patron qui la dirige. Je lui demanderai de lui parler de vous. Vraiment? Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Je sais pas quoi dire, ce serait vraiment génial. Merci. Ce sera avec plaisir. Bon, allez, les sandwichs. Alors, tenez. Merci. Tu t'es bien débrouillée. C'est beau. Ah non, tu as eu un cours de... menuiserie. Tu as passé du temps avec sa fille, tu es resté tard. Et c'est tout? C'est tout. Non, on a discuté de la pâtisserie aussi. Et il va parler de nous à l'agence du propriétaire. Ah, ok. Mais il est intéressé, il y a de la romance dans l'air. Béatrice. Quoi? J'essaie de comprendre. Où est le problème? C'est Suzanne? Hayden est génial, vraiment. Mais je préfère me concentrer sur l'achat de la pâtisserie. D'accord? Une seule chose à la fois. Comme tu veux, Jessie. Si tu veux pas de mes conseils, je vais pas te forcer. On a un super retour. Ils ont tout vendu avant le déjeuner. Belson double la commande. T'es sérieux? Complètement. Et deux fois plus de gâteaux veut dire que j'ai plein de super idées pour nous agrandir. C'est pour ça qu'on t'aime, Howard. Ah. On va peut-être avoir les moyens d'acheter le bâtiment. Ouais, je sais. On va faire le maximum. Howard, tu t'occupes des pâtissiers. Béatrice, appelle nos fournisseurs et augmente nos commandes. Je vais bosser sur notre dossier. On va se donner à fond. À fond. On met le turbo. C'est pour toi, grand-mère. Suivant. Bonjour. Asseyez-vous. Je vous en prie. Enchanté. Très joli. L'honneur est... C'est intéressant. Diplômé en art culinaire. Oui. Oh, vous êtes disponible que dans... Que dans 3 mois, d'accord. Vous cuisinez depuis l'âge de 6 ans. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Non. Suivant. Vous donnez des cours de pâtisserie gratuits. Allergique à la farine et aux œufs. Ok. Vous venez de l'acheter. Vous avez l'esprit de famille. Vous êtes embauché. Merci. Merci de vous être déplacé. Vous êtes embauché. Travail, oui. Pour le prix d'un. Appuie bien fort, c'est ça. Ah, parfait. Beau travail. Je te pose ma puce. Merci encore pour votre aide. On vous aide seulement pour avoir les échantillons en premier. Je connais bien la patronne. Je pourrais vous en obtenir très facilement et en avance. Un traitement de faveur? Fantastique. Alors, vous tenez le coup au boulot? C'est très intense. Mes gâteaux se vendent tellement bien que Belson se veut les vendre dans ses autres magasins. Waouh! J'ai engagé d'autres personnes, mais je crois qu'Howard et Béatrice sont aux affaires. Vous auriez une petite heure? Pourquoi? Je vous dis rien, c'est un secret. Un secret, ça m'intrigue, ça. Vous pouvez ce soir? Disons vers 18h. Je serai à la pâtisserie, je bosserai. On se retrouve à l'angle de Hartford et Atwood. Vous m'emmenez où, au juste? Je vous l'ai dit, c'est un secret. Ok, je viendrai. Parfait. Parfait. Mmh.
devrait s'y remettre, on a encore plein de boulot. Je suis crevée. Quand je pense au boulot qu'on a. Combien de gâteaux on doit faire? Au moins 5 millions. Quand on sera proprio, on pourra embaucher plus de monde. La ligne d'arrivée est en vue, on doit garder ça à l'esprit. Exactement. Allez. Je m'y remets. Moi aussi. Bon, je vais vous laisser un moment. Quoi? Attends. Mais tu vas où? Tu t'es faite toute belle? Je me pose des questions. Je sors ce soir. Il est presque 18h, c'est passé vite. On devrait manger quelque chose et s'y remettre. Ouais, j'ai hâte. Vous devriez une pause. Je suis sérieuse. On est presque prêt pour la promotion et on a quelques jours devant nous pour la commande Belsens. Ah, je sais, mais... Il me reste 5 gâteaux à faire pour demain. Je m'en occupe. Vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'insiste. Comme tu veux. Si tu insistes, merci, Jessie. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Eh bien, c'est un secret, mais je serai de retour dans un moment. Mais on est où? Vous me faites confiance? Je vous fais confiance. Ok, eh bien, allons-y. Alors ça, pour une surprise, vous êtes sûr qu'on a le droit d'être ici? Le propriétaire est un client. C'est super beau. Oui. C'est adorable d'avoir pensé à la bouteille. Je vous ai dit que je la gardais pour une grande occasion, alors... Je vous débarrasse? Volontiers. Merci. Voilà. On a de quoi manger. Je me suis dit que vous... Vous auriez envie de changer des gâteaux. Et voilà. Permettez. Merci. On commence par la bouteille. Avec plaisir. J'espère qu'elle est encore bonne. Où est Riley? Suzanne fait du babysitting. C'est gentil de sa part. Exact. Ça lui fait du bien. Il faut beaucoup négocier avec une enfant de 5 ans. Ça, c'est vrai. Ouais. Au fait, j'ai parlé de vous à mon patron, pour la vente. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il peut rien vous promettre, mais il a tout raconté à son frère et ça l'a impressionné. Alors, ils attendent votre offre. Vraiment? Ouais. Oh, merci beaucoup, c'est génial. De rien. C'est incroyable, merci. Non, okay. Ça me touche. Je vous en prie, vous vous êtes donné à fond. Oui. Alors, vous êtes prête pour la journée promotionnelle? Oui, presque. Je dois encore faire 5 gâteaux ce soir. Besoin d'aide? Vous voulez cuisiner? Ouais, je suis pas un expert, mais je sais suivre des consignes. Je peux pas accepter. C'est un énorme travail. Je suis sérieux, ça me plairait. J'ai donné leur soirée à Béatrice et à Howard, alors en effet... Vous avez besoin de compagnie. Dites oui. Ok, d'accord. Merci. De rien. Pas de problème. Santé. Santé. Vous débrouillez bien. Je vais vous engager à plein temps. Je signe tout de suite. Voilà. Je fais quoi avec ça? Venez, alors, vous versez ça là-dedans. Ok, là-dedans? Mm-hmm. Ça va? Continuez. Voilà, ça y est. Je baisse ça comme ça, je suppose. Oui, très bien. Et ensuite, je... Non, c'est pas... Oh, c'est bête. Je... Oh. Oups. Je rêve ou vous venez de m'éclabousser de farine? Je suis désolé. Ah. Bah. Hey. Venez. Hé, hey. Qu'est-ce que... Oh, c'est mais... de farine. Oh. Oh. D'accord, c'est la guerre. Ah, ah ouais. Oh, on va être prêts. Ok, on arrête. Ah. Oh. Je savais. Ah. C'était une soirée épique. Oui, ma grand-mère aurait pas aimé me voir faire la folle dans sa cuisine. Ça fait du bien de décompresser. Ouais, c'est vrai. En plus, on a fini les gâteaux. On est super fort. Bon, on devrait peut-être se mettre à nettoyer et ranger la cuisine. Je pense que Suzanne doit commencer à s'impatienter. Non, ça va, laissez, je le ferai tout à l'heure. Jessie, il y a eu un ouragan de gâteaux de catégorie 5 dans cette pièce. J'ai nettoyé cette cuisine tellement de fois que j'ai un système. Ce sera vite fait. Juré. Ok, bon, merci.
Pourquoi? La vie n'a pas été facile ces dernières années, pour ma fille et moi. On a eu peu de moments heureux et cette semaine a été un pur bonheur. J'avais jamais vu Riley si heureuse. Merci. Je vous en prie. Et pas que pour Riley, pour moi aussi. Quand vous êtes passé l'autre jour, ça m'a motivé à me remettre à la menuiserie. J'avais pas touché mes outils depuis longtemps et maintenant je les quitte plus. Et c'est à vous que je le dois. Eh bien, moi aussi, je voulais vous remercier. Moi? Quand on est chef d'entreprise, c'est dur d'avoir une vie à côté. On doit tout porter sur ses épaules. Ça a été très agréable de faire quelque... Je vous en prie. Oh. Vous avez de la farine sur le nez. Ah, oh. Je peux? Oui. Là. Hop. C'est bon, il n'y a plus rien. Merci. De rien. On se dit beaucoup merci ce soir. J'ai remarqué. Je devrais y aller. Ok. J'en ai pas du tout envie. Bonjour, vous voulez goûter? Chocolat, mûre blanche, mûre blanche. Merci. J'arrive pas à croire qu'on ait tant de clients. On n'a pas assez de gâteaux. Tu vas récolter assez d'argent. Le chocolat, c'est mon préféré. Bonjour. Bonjour et bienvenue chez les gourmandises de Myriam. Merci. En fait, tu peux la broyer très finement, comme c'est d'habitude. Je trouve que ça donne... Tout se passe bien ici? Ça se passerait mieux si Robbie arrêtait de manger les gâteaux? Non. Franchement, Robbie, un peu de self-contrôle. Ça va, c'est une blague, détends-toi. Ils sont sages, t'inquiète. Ok, tant mieux. Tu es bien joyeuse. Ah bon, moi? Tu chantonnes? Tu chantonnes jamais? C'est une belle journée, on a plein de clients. Pourquoi je chantonnerais pas? On est beaucoup trop stressés pour... Mais oui, le frère Canon. C'est avec lui que tu étais embrassée. Non. Jessie, je te préviens, si tu continues à me mentir... J'avoue, je l'ai embrassée. Je le savais. Comment c'était? C'était pas mal. Seulement pas mal? Allez, balance les détails. Les filles, on a réussi. Réussi quoi? J'ai eu un coup de fil de la banque. C'est bon pour le prêt. Oh, t'es sérieux? Et entre les journées promotion et les avances sur les commandes de Belsons, on a assez pour la compte, même plus qu'assez, en fait. C'est pas croyable. C'est fabuleux. On va pouvoir faire une offre demain à la sortie de l'annonce. T'es prête? Je suis totalement prête. J'ai jamais été... J'arrive pas à y croire. C'est mérité. Merci, Howard. Je sais vraiment pas ce que je serais devenue sans toi, sérieux. Je t'en prie. Et toi aussi, Béatrice. T'as assuré, tu t'es surpassée. Tu es incroyable. Merci, mais tu sais, je suis attachée à cette pâtisserie. Je dois l'annoncer à quelqu'un. Ça pose problème si je m'en vais là, tout de suite. Est-ce que par hasard, cette personne a un nom qui rime avec Schmeiden? Peut-être. Vas-y, fonce. Je sais pas de quoi vous parliez toutes les deux, mais... Va t'amuser. Merci. On se voit donc demain. Et surtout, vous... Yes! On a passé une super soirée. C'est vrai. Alors, vous faites votre offre quand? Demain, à la première heure. Jessie, c'est génial, bravo! Oui. Vous aurez la réponse quand? Demain, en fin de journée, normalement, mais l'agence immobilière dit que notre offre est la meilleure. Waouh, je suis ravie pour vous. Rien n'est encore signé, mais oui, je suis contente, moi aussi. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait réussi. J'en doutais pas. Ah, demain j'ai rendez-vous avec ta sœur. Le dernier avant le mariage. Waouh, c'est à peine dans une semaine. Oui, il faudrait que je me mette au travail. Jessie, j'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. Rien ne me ferait plus plaisir.
J'adorerais t'accompagner au mariage de Suzanne. Génial. Génial. Et bien sûr, en finition, on le décorera de petites fleurs bleues assorties à votre thème. Oh, c'est magnifique. C'est parfait. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Et moi, j'ai hâte de le préparer. C'est plus gros que ce que je fais en général, mais j'adore les défis. Ça change du quotidien. Tada! C'est pour moi? Pour le mariage. Eden m'a dit que vous veniez. Elle est magnifique. Merci, Suzanne. J'avais pensé la faire pistache au début, mais ce n'est pas votre couleur. Je porterais du rose fuchsia si c'était une robe Suzanne Cooper. Non, non. Pas de rose fuchsia pour vous. Oh, ok, pas de fuchsia. Pardonnez ma curiosité. Où en êtes-vous avec votre bâtiment? Oh, on a déposé une offre ce matin. Je crois qu'on a une chance. Je suis ravie de l'entendre. Ça vous dérange si non, pas du tout, je vous en prie. D'accord. Howard, je t'écoute. Donne-moi une bonne nouvelle, mon grand. Je suis désolé, ils ont choisi une autre offre. Quoi? C'est pas vrai. L'acheteur est de la famille de l'agent immobilier du vendeur. On n'avait aucune chance. Tu peux y retourner? Faire une offre plus élevée? Il a accepté, c'est trop tard. C'est un promoteur? Je crois que c'est une agence immobilière, Oceanside Immobilier. Ils vont installer leur bureau ici, ils veulent emménager dès que la vente sera signée. Donc la pâtisserie est fichue. C'est un coup dur, mais... Nu. Je suis désolé, Jessie. C'est fini. Je suis désolée, Jessie. Je comprends pas. On était si près du but, on allait... S'il nous avait donné une chance de faire une offre plus élevée... Qui est l'acquéreur? Une agence immobilière. Oceanside Immobilier, je crois. C'est ce que Howard m'a dit. Mon bâtiment? Oh, Jessie, salut. Désolé, j'ai pas entendu. Tu as acheté mon bâtiment? Mais de quoi tu parles? Te fiche pas de moi! Tu nous as tranquillement regardé bosser, nous défoncer, nous battre! Qu'est-ce qui se passe? J'étais naïve. Dès le départ, tu m'as montré qui tu étais. Un homme d'affaires pur et dur, qui a trop peur d'écouter son cœur plutôt que la raison. Je sais pas de quoi tu parles. Je te félicite, Eden. Ton agence s'est dégotée un emplacement parfait pour ses nouveaux bureaux. J'espère que t'as eu une belle commission. Et j'espère que t'es content. Quoi? Jessie! Oui, Dave. Je voulais te demander, on a acheté un bâtiment. Je pensais que tu allais... Non, aucun problème. Bon week-end. J'arrive pas à croire qu'Aiden t'ait fait un coup pareil. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? C'est hyper cruel. Il t'a donné une explication, au moins? Quoi qu'il ait à dire, ça arrangera pas les choses. T'es pas un peu curieuse? Aiden n'est pas l'homme que je croyais. Et je veux plus jamais lui parler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Franchement... J'en ai aucune idée. On a passé une journée difficile. On va prendre une bonne nuit de sommeil. D'accord. Ouais. D'accord.
aller voir Jessie ce soir? Pas ce soir, chérie. Elle est pas mal débordée. Pourquoi elle est débordée? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle déménage. Elle fait le gâteau de tante Suzanne. Elle a peut-être besoin d'aide si elle est débordée. On devrait aller la voir, non? Tu devrais déjà être au lit. Non. Désolée. Va te brosser les dents. Ça fait. Bien sûr, elle m'aidera avec les préparatifs du mariage. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Jessie, j'aurais... Aiden, franchement, rien de ce que tu diras pourra arranger les choses. C'est trop tard maintenant. Même si tu es désolée, et même si d'une manière ou d'une autre, c'est pas ta faute. Ça a plus aucune importance. Tu le penses vraiment? Oui. D'accord. Si c'est ce que tu veux. On va trouver un autre local. Et il sera parfait. Je sais pas. On va s'en sortir. Tous ensemble. Ouais. Bon, alors, j'ai une liste entière de locaux intéressants à visiter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein d'argent à dépenser. Jessie, tu viens avec moi? Béatrice, tu pourrais commencer le gâteau de mariage. Je suis pas sûre d'y arriver, je suis désolée. D'y arriver à faire des visites? Oh, c'est pas grave, demain, tu pourrais. Non, je veux dire d'avoir envie de déménager. Non, tu peux pas. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. On n'a qu'une semaine, Jessie. Je sais. Je suis sous le choc, c'est tout, et je suis pas prête à chercher un autre local. Eh bien, moi j'y vais. Tu fais comme tu veux. Je finirai le gâteau de Suzanne. Béatrice, tu devrais l'accompagner. T'es sûre? Ouais. Aiden, Riley, bienvenue. Waouh, Suzanne. Là? Eh bien, je t'apporte un cadeau. Mon cadeau? Dans le pick-up. Ah, viens là. Ça va, chérie? C'est une arche pour le mariage. Elle est magnifique. Je l'adore. Merci, Aiden. De rien. Alors, tu t'es réconcilié avec Jessie? Du tout. Elle n'a pas voulu entendre mes explications. Parce qu'elle souffre? Je sais pas quoi faire. Eh bien, comment tu peux l'aider à prendre un nouveau départ? Alors? Hé, c'est visite. Ça s'est bien passé. On a vu des locaux qui seraient parfaits. On est très enthousiastes. Tu devrais aller jeter un coup d'œil.
Ouais. Peut-être que ça te rendrait moins triste de déménager. Peut-être. Est-ce que tu veux rentrer chez toi? Je peux fermer. Non. Ça va, je suis sur ma lancée avec le gâteau. Bon, ben alors, d'accord. Tu crois qu'elle va se faire à l'idée du déménagement? Au début, j'en doutais, mais je sais plus quoi penser. On est une famille. Je peux pas imaginer travailler sans vous. Eh bien, rassure-toi, parce que j'ai appelé la cavalerie. C'est-à-dire? Sa mère. Sévère. Eh, aux grands mots, les grands remèdes, comme on dit. Tu es un génie du mal, Howard. C'est pour ça que je t'aime. Maman? Mais... Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris pour la vente. Je suis désolée, chérie. Je réalise toujours pas. Oh. C'est pas la fin du monde. Vous allez retomber sur vos pieds. Je suis désolée de t'avoir déçue. C'est la pâtisserie de ta maman. Perdue? Grand-mère adorait cet endroit. Oh, chérie. Écoute, ce n'est pas la pâtisserie que ta grand-mère aimait, c'est pâtisser. Elle aimait rassembler les gens, passer du temps avec sa petite fille. Peu importe où on fait de la pâtisserie qui compte. L'important, c'est l'amour que tu y mets, les personnes avec lesquelles tu pâtisses. C'est ta passion pour la pâtisserie qui te lie à ta grand-mère. Je sais, oui. Merci, maman. Je veux te montrer une photo. Non, maman, je les ai déjà toutes vues, ces photos de moi, petite. Non, je doute que tu aies déjà vu celle-ci. Regarde bien. Mais c'était quand? Le 10 de Myriam a ouvert en 1955. Grand-mère avait une vingtaine d'années. Elle a quoi, 10 ans sur cette photo? Et le bâtiment a l'air différent. Ce n'est pas les gourmandises de Myriam, c'est la première pâtisserie familiale que ton arrière-grand-mère avait ouverte. La pâtisserie de Flory, en ville. La pâtisserie de Flory? Grand-mère m'en a jamais parlé, j'en avais aucune idée. Flory a été la première personne de la famille à ouvrir une pâtisserie. C'était pendant la guerre. L'économie n'allait pas bien, mais on l'adorait tant dans son quartier que les affaires marchaient. Quand la guerre a pris fin, il y a eu un boom économique. Mais la petite pâtisserie des années 40 de Flory ne fonctionnait plus si bien. Alors, quand ta grand-mère a pris la relève, elle savait qu'elle devait faire des changements drastiques. Elle a déménagé ici parce que c'était un quartier en vogue à l'époque. Elle a modernisé le style, changé le nom, elle a créé les gourmandises de Myriam. Avec le succès qu'on lui connaît. Comment ça se fait que je l'ignorais? Il faut que tu comprennes que les gourmandises de Myriam est à toi. Je sais que tu aimais ta grand-mère, et je sais que tu tiens énormément à la pâtisserie, mais... construis quelque chose qui sera à toi. On peut... garder le passé dans notre cœur et le porter avec nous chaque jour, mais on ne doit pas s'y accrocher. C'est ce que ta grand-mère aurait dit. Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Qui est Jessie Dale? De quoi elle a envie? Allez, il faut bien frotter, tu vois. Tu vois, tu dois faire comme papa, d'accord? Ça te plaît? C'est trop cool. Trop cool. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour le mariage. Non, il n'y a pas de rose à mon mariage. Mais c'est ce que le fleuriste a livré, alors là j'ai 18 kilos de pivoine rose. Je n'ai pas commandé des pivoines roses, j'ai commandé des pavots bleus. C'est un thème, messieurs, dames, un thème des pivoines roses. Personne n'a la moindre idée de ce qu'est une métaphore. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi avec... Je veux qu'elles disparaissent de ma vue. D'accord. On les reprend, allez, chargez-les. Votre téléphone.
Depuis quand on confond les pavots avec les pivoines? Je voudrais pas être la personne qu'elle a au téléphone. Moi non plus. C'est ton tour. Vas-y. Vous allez voir, c'est délicieux. Ok, merci. Continue, c'est ça. Ouais, je comprends. Il y a pas. Il est superbe. T'as dû bosser toute la nuit? Je dormais pas. Autant en profiter pour le finir. Maintenant, il reste qu'à le décorer. Bon, je pars. Je vais faire d'autres visites. Béatrice, tu viens avec moi? En fait, je crois que j'aimerais y aller. Vas-y. Je crois que je préférerais y aller seule. Oui, mais le gâteau, le mariage est demain, tu... Commence la déco. Je te fais confiance. Howard, tu peux aller à la banque t'assurer qu'il ne manque rien à notre dossier? Tu es sûre? Je suis sûre. Tu... t'aimes pas la façon dont je décore? Tes décorations sont parfaites, Béatrice. Incroyable! C'est une catastrophe! Il n'y a pas de pavot bleu et je ne sais pas quoi faire! Oh, doucement, Suzanne, j'ai rien compris. Les pavots... bleu? Les pavots bleus sont des pivoines roses! Parfait. Je les reçois la semaine prochaine. D'accord. Hop là. Vous réglerez pas la carte? Pardon. Oui, bien sûr. Oui, Béa, tout va bien? Oh, tu es pas occupée, super. Suzanne est en train de péter les plombs et... Il faut que t'ailles la voir. Du calme, raconte. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, en fait. Elle m'a parlé de... canard dans le Nebraska. Et de... de pivoine... Je suis pas sûre. C'est bon, je vais régler ça. Ok. Suzanne? J'ai eu votre message. C'est à cause des pivoines? Vous teniez vraiment au pavot, à ce que je vois. Ils ont un sens spécial. Et tout mon mariage est en bleu. Sans oublier ma ligne de vêtements pour la saison prochaine. C'est nul quand tout se passe pas comme prévu. Je suis bien placée pour le savoir. Mais, vous savez, j'ai fait quelques recherches sur les pivoines en chemin. Vous saviez qu'elles fleurissaient seulement 7 à 10 jours par an? C'est pas ordinaire. C'est pas du tout ordinaire. Les pivoines sont toujours en fleurs la semaine de votre mariage. Pas avant, pas après. Eh bien, je trouve que c'est un beau symbole. Moi aussi. Et elles fleurissent 7 à 10 jours? C'est à peu près le nombre de fois où je vois Evan dans l'année, vu nos emplois du temps surchargés. C'est une jolie métaphore. Je suis d'accord. Mais le rose... avec tout le bleu qu'on a déjà dans la déco... Je me suis penchée sur la question. Qu'est-ce qu'on a quand on mélange du bleu et du rose? Je sais pas, des faux jumeaux? Je parle sérieusement. Regardez, on ajoute quelques touches de lavande ici et là, et le bleu des décorations de la salle, plus les pivoines roses, voilà, le mariage est sauvé. Oh, je trouve ça très joli. J'aurai un mariage aux couleurs des licornes, et elles sont très rares aussi. Ça n'existe pas, les licornes, mais... oui. Merci, Jessie. C'est magnifique. Je vous en prie. Aiden m'a dit ce qu'il s'était passé. Vous savez qu'il a démissionné? L'information qu'Aiden lui avait donnée pour acheter le bâtiment? Mon frère ne peut pas travailler pour un type de ce genre. Il a démissionné? L'immobilier, c'était pas son truc. Il aurait fini par partir. Il est anéanti, Jessie. Il s'en veut terriblement. Je l'avais pas vu si malheureux depuis. Vous savez, le temps qu'il a passé avec vous,
Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu aussi heureux. Riley aussi. Le mariage est demain. J'espère que vous viendrez. Oh, j'ai une dernière petite chose à vous demander. Un autre gâteau. Deux gâteaux de mariage. C'est seulement un petit gâteau et elle paye le double du prix. Et ça ira direct dans ta poche, je te le jure. Direct? Mm-hmm. Dans ce cas, au boulot. Je sais pas ce que je ferais sans toi, Béatrice. Et moi sans toi. T'as fait un travail superbe. Magnifique. Mieux que ce que j'aurais fait. Merci. Local commercial disponible immédiatement. J'adore. C'est magnifique. Ça a l'air cool. Quoi, on va être enfin cool dans notre nouvelle vie? Y a rien de mal à ça. Et la cuisine a l'air énorme. On n'aurait plus besoin d'en louer une autre. Et c'est dans nos moyens. Ça se trouve dans un quartier en plein essor. C'est pas seulement une bonne idée pour la pâtisserie. C'est un très bon investissement immobilier. Qu'est-ce qu'on attend? T'es sérieuse? Oui. Allons-y, on l'achète. Oui. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose. Vous m'avez tous les deux soutenue baisse période. J'ai compris que l'important, c'est pas où on fait de la pâtisserie, mais avec qui on fait de la pâtisserie. Je veux que vous soyez mes associés. Tu es sérieuse? Je veux que vous ayez des parts. Ça compensera un peu pour ce que je vous ai fait subir. Je serai associée majoritaire, mais qu'est-ce que vous en dites? On s'associe? J'accepte. Je le veux. Merci. Je prends ça pour un oui. Oui. Tu vas voir qui? Une personne à qui je dois aussi des excuses. Bonne chance. Associé. Yes. Jessie. Bonjour. Écoute, je... Non, je sais. Suzanne m'a dit ce qui s'était vraiment passé avec ton patron. Je suis désolée. Je suis désolée, moi aussi. Tu penses? Bien sûr que non. Sur quoi tu travailles? Eh bien, pour tout te dire, c'est pour toi. Quoi? Tu l'as fabriqué pour moi? Ouais. Je suis désolée que t'aies perdu ton bâtiment. Mais je suis sûre que ton nouveau local sera tout aussi bien, même mieux. Fait avec amour. C'est juste une idée. Si tu veux autre chose, c'est pas... Non, je l'adore. Que tu vas m'accompagner au mariage de Suzanne? Je ne le manquerai pour rien au monde.
Suzanne, voulez-vous prendre Evan Miller pour légitime époux, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Evan, voulez-vous prendre Suzanne Cooper pour légitime épouse, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Bébé, un peu que je le veux. Je vous déclare mari et femme. Embrassez la mariée. Viens là, chérie. Tout le monde est prêt pour le gâteau? Oh, j'ai failli oublier. C'est pour toi. C'est au chocolat? C'était plus fort que moi. Tu aimes tellement ça. Tu manges la première bouchée? Papa t'aide à le couper? Alors? Oh, c'est un gros morceau. Je coupe en deux. Voilà. Ouvre grand. Ouais. Jessie, le gâteau est absolument... Waouh, c'est délicieux. Je suis sérieux, un pur chef-d'œuvre. Tu t'es surpassé. Le résultat d'un travail d'équipe. Excusez-moi, je voudrais vous demander, c'est vous qui avez fait cette superbe arche? Oui, oui, c'est moi. Je suis menuisier. Tu vas avoir un planning chargé pour les mois à venir. Eden Cooper, la nouvelle star de la menuiserie. On dirait qu'on va être très occupés tous les deux, avec la nouvelle pâtisserie. Il y a justement un local à vendre à côté du mien. Parfait pour un magasin de meubles. Je dis ça comme ça. Bosser à côté de mon amoureuse? C'est le rêve, ça. Ton amoureuse? Oui. Je t'aime. Jessie Dale. Je t'aime aussi.